6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver. Vous allez voir une nouvelle configuration. Aujourd'hui, il n'y a pas un invité ni deux invités, il y en a trois. Aujourd'hui, alors c'est vrai qu'hier soir, c'était l'amour est dans le pré. Ben, aujourd'hui, c'est l'agriculture et dans le salon de Bruno Gadras. Je vous le concède, je suis bien moins beau à regarder que l'animatrice d'M6. Mais bon, je ne suis pas là non plus pour mettre les gens en couple. On est là aujourd'hui pour parler des réalités de l'agriculture, de l'emploi de l'agriculture, dans le secteur de l'agriculture. Des qualifications, de la formation, ça fait très longtemps que je voulais faire cette émission sur l'agriculture et puis j'avais jamais trop trouvé l'occasion et puis je me posais des questions. Je trouve que bien souvent on parle des produits, surtout aujourd'hui, on dit ah, les légumes, les machins, l'élevage, etc. Et en fait on parle pas souvent des métiers et moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va voir avec les invités d'aujourd'hui. Vous connaissez les règles, vous pouvez bien évidemment poser des questions, c'est même recommandé. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec un ou une de mes invités aujourd'hui, mais on reste poli, hein, on n'en profite pas du fait qu'on est derrière l'écran pour être désagréable, parce que bien sûr, sinon je couperai. Allez, je vais vous les montrer, mes invités. Tac, les voilà, ils sont tous là. Avant de vous les présenter, je voulais remercier la Chambre de commerce et d'industrie de la Creuse, la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Vienne, Limoges Métropole et le quatrième, c'est qui? Ben, je ne sais plus, on va voir, je vous le dirai, ça m'est sorti de la tête, on va le voir de toute façon, il va y avoir les spots qui sont la Chambre de métier bien sûr et de l'artisanat de la Haute-Vienne. Et vous verrez, pendant l'émission, on va diffuser les spots. Allez, regardez face à moi, Bruno Gosson. Bonjour Bruno. Bonjour. Bruno Gosson, il est président de l'ANEFA Limousin. Il va nous dire à quoi ça sert l'ANEFA, qu'est-ce que c'est. Hein, on va prendre le temps tranquillement de l'expliquer. À côté de lui, dans le canapé, Anne-Hélène Puck. Je l'ai bien dit? Tout à fait. Directrice de l'ANEFA Limousin. Et Laurent Pouille, comment ça va Laurent? Ça va très bien, merci. Laurent Pouille, alors je regarde parce que alors, ça, il fait partie de ces gens qui ont des titres, ça loge pas hein, sur les cartes de visite. Directeur, pôle, formation continue et apprentissage, CDFFA, CFPPA, les vasés. C'est ça, hein? C'est ça. Voilà. Alors, avec vous, on va faire un petit peu le tour hein, de la situation de l'agriculture. On va commencer avec vous, Bruno Gosson. Je disais, vous êtes président de l'ANEFA, mais avant de nous dire en quoi consiste la présidence de l'ANEFA, vous êtes quoi d'abord avant d'être président de l'ANEFA? Avant d'être président de l'ANEFA, je suis d'abord agriculteur. Ouais. Je suis exploitant agricole dans le nord de la Haute-Vienne, ouais, avec mon neveu en GAEC, et j'ai l'exploitation bovin viande et céréales. Ça veut dire quoi GAEC? Parce que tous les GAEC, gens qui regardent ce soir, ils savent pas hein, ce que ça veut dire GAEC. C'est un groupement agricole d'exploitation en commun. D'accord. Vous avez toujours été dans l'élevage? Oui. Ouais. Oui, oui. Alors, j'avais le président l'autre jour de la chambre de métier, hein, qui était à votre place, et je lui avais demandé qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, parce que quand on est agriculteur quand même, on a de quoi s'occuper, le ouais, matin, l'après-midi, le soir, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on s'investit dans un mandat comme celui de l'ANEFA? Alors, je pense que c'est aussi d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Alors, heureusement que c'est que pour l'ANEFA, hein, parce que quand on dit c'est d'aller voir ailleurs... Non, c'est pas que pour l'ANEFA. Je suis arrivé par le côté... Alors, l'ANEFA, on en reviendra sur la composition tout à l'heure. Mais l'ANEFA, j'y suis du côté patronal. J'y viens par la FDSEA. D'accord. Donc, c'est l'engagement syndical au départ qui oui, m'a permis, avec d'autres choses, hein, il y a le rugby aussi, donc... Mais c'est bien d'être agriculteur, c'est ma passion, c'est mon métier. Mais j'aime bien aussi voir comment travaille, voir d'autres choses que l'agriculture. Oui. Et puis voir comment vont les autres agriculteurs de mon département, de mon canton, et puis de France ou d'Europe. Hein, d'accord. C'est très intéressant de voir ce qui se fait ailleurs. Ça relativise ce qui se passe chez nous. Là, comme ça, en quelques mots, puisque ça fait des années hein, que vous êtes agriculteur, allez, juste en y pensant comme ça, en deux, trois mots, comment vous résumeriez
cette vie d'agriculteur? Est-ce que ça a été facile, difficile, éprouvant, enrichissant? Vous voyez, juste me donner deux, trois qualificatifs comme ça. Alors, c'est difficile et très enrichissant. On est perpétuellement en crise et je pense que le challenge, c'est qu'on a un métier qui évolue très très vite, ouais, et qu'on remonte les crises à chaque fois. C'est très difficile, mais c'est très très gratifiant. Un métier de crise, hein. On va le dire, on va le voir là, hein, d'ailleurs, puisque on va faire un premier bilan, hein, qui n'est pas forcément négatif, mais c'est vrai que quand on entend parler de l'agriculture et qu'on est un peu âgé, c'est vrai qu'on a souvent entendu parler de ces périodes, hein, où ça ne va pas, il y a des crises, il y a des choses qui coincent, et puis ça repart, et on ne sait pas trop comment ça repart, mais vous nous l'expliquerez sans doute. Aujourd'hui, concrètement, c'est quoi la situation de l'agriculture en Limousin et éventuellement en Nouvelle-Aquitaine, si vous avez des informations par rapport à ça? Alors, je vais vous parler de l'agriculture en Limousin. Oui. Je vais laisser la Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Parce que notre territoire Limousin, notre ancienne région de territoire Limousin, c'est un territoire relativement homogène, avec une quasi-totalité d'exploitation, de production en polyculture et élevage. Même on pourrait dire élevage, polyculture. Ouais. On est des producteurs d'abord d'animaux, ouais, et on cultive pour nourrir nos animaux. D'accord. Hein. On connaît les vaches. On connaît les vaches, les moutons. Ouais. Alors les porcs, c'est un peu plus difficile. Les volailles aussi, parce que c'est beaucoup plus de grains, donc on ne produit pas tous les grains chez nous. Mais globalement, on produit la nourriture pour nos animaux. Que ce soit de la Limousine, de la laitière ou de la charolaise, c'est pas un problème en vache? On a l'habitude de dire qu'on est un département, ou on va dire un territoire, peut-être si on élargit un peu plus, vraiment un territoire de pointe pour l'élevage, des vaches notamment. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, c'est vrai. Ça dépend de quoi on parle, peut-être. Ouais. C'est vrai, c'est pas vrai. On a des références internationales en termes de point, en termes d'élevage, que ce soit bovin ou ovin, qui sont sur nos territoires. Mais c'est la tête, c'est ce qui est en haut, et après on a tous les échelons. Et globalement, on est dans la moyenne. D'accord. Hein? D'accord. Donc, on a une très bonne image à l'extérieur, qui est portée par quelques spécialistes ou quelques éleveurs en particulier. Mais ça profite à tout le monde, hein, ça profite à tout le monde, au territoire. Oui, oui. Et puis après, ben c'est comme au foot, hein, il y a la première division, et puis il y a... Tout à fait. Il faut bien qu'il y ait la dernière division aussi. Pas la dernière forcément, mais des divisions un peu moindres. Ça représente quoi l'agriculture Limousin en termes d'actifs? D'ailleurs, de quoi on parle quand on parle d'actifs? On aura l'occasion d'en parler alors, un peu plus. Les actifs agricoles, je dirais, ouais, on a à peu près 13 000, 14 000 exploitations en Limousin. D'accord. Et donc on le dit pour les gens qui ne sont pas du Limousin, Limousin c'est Creuse, Corrèze, Haute-Vienne. Oui, hein? Trois départements. Ouais. Région Limousin, c'est facile quand même. Et région, Bruno, territoire Limousin. Ouais, attention, on n'est pas là pour faire de la résistance, c'est fini. Territoire Limousin. Oui, mais il existait une région avant. Voilà, avant. et en termes d'actifs, on est sur 3500 actifs salariés. D'accord. Salariés. Alors après, il y a les exploitants qui sont les non-salariés, hein, ouais, les exploitants plus leurs conjoints. 14 000 exploitations, je dirais, ça fait à peu près 16 à 18 000 non-salariés. D'accord. Et après, on a, ça c'est la partie production traditionnelle élevage. Et après, on a des agriculteurs aussi comme les autres, mais qu'on ne référence pas dans la même catégorie, ce sont les paysagistes. D'accord. Tout ce qui est entretien du pays, vert, espace vert, d'accord. D'accord, ça on en parlera peut-être un peu plus précisément avec Laurent tout à l'heure. On en profite pour dire bonjour à Olivier, Olivier qui vient d'arriver, puis j'espère qu'il y en aura d'autres. Olivier, n'hésitez pas à poser des questions. Maintenant qu'on a fait un petit peu ce point, juste une dernière petite question. Comment vous diriez que se porte là aujourd'hui l'agriculture en Limousin, sur le territoire Limousin? C'est quoi la santé? Elle est en bonne santé, en très bonne santé? Elle est un peu vieillissante? Elle fait un peu comme moi, elle a quelques rhumatismes, elle est quoi?
Alors, elle commence à avoir pas mal de rhumatisme. Elle est assez vieillissante. On est, alors, c'est pas spécifique au Limousin, malheureusement, parce que sinon, ça voudrait dire que des gens ont trouvé la solution et qu'il suffit d'aller la chercher ailleurs. Ouais. On a un problème de renouvellement des générations. D'accord. Notre plus gros problème, ce qui va, enfin, la plus grosse crise, on a la crise climatique, la guerre en Ukraine, tout ce qu'on veut, mais notre plus grosse crise à remonter dans les 5 à 10 ans qui viennent, c'est renouveler les agriculteurs et les salariés des exploitations. C'est maintenir la production sur nos territoires. Mmh. C'est vrai, c'est ça la plus grosse crise qui arrive. D'abord les exploitants, parce que s'il n'y a pas d'exploitants, il n'y a pas de salariés. Mais alors, je dirais que c'est deux choses différentes. Ouais. Les exploitants, il y aura des renouvellements, il y aura des agrandissements. On peut être contre, hein, je veux dire. Moi aussi, oui, non, je préférerais ne pas qu'il y ait d'agrandissement. Mais on sait qu'il y en aura. On sait qu'il y aura des installations sur des petites unités. Il y aura de tout. L'agriculture a été plurielle, elle sera toujours plurielle. La problématique, ça sera plus sur trouver des salariés. Je m'inquiète pas trop sur les exploitations, c'est vraiment les salariés. Des salariés qui vont être aussi très pluriels dans leurs compétences. Mmh. On va avoir effectivement des salariés, je dirais, qui s'occupent du travail que faisait l'agriculteur jusqu'à maintenant, mais on va avoir aussi des salariés très perfectionnés, très qualifiés, avec des compétences très pointues, conducteurs d'engins. On va avoir aussi la demande sociétale qui arrive, avec des demandes que demandent les nouveaux arrivants en agriculture. Ils veulent prendre des congés, ils veulent s'occuper de leurs enfants quand ils naissent, ils veulent pouvoir partir en vacances, ils veulent aller sur d'autres choses que de l'agriculture, en même temps qu'être agriculteur, ça veut dire qu'il faut les remplacer. Donc il y aura besoin de permanents, il y aura besoin de permanents, il y aura besoin de services de remplacement pour remplacer les agriculteurs. Il y aura besoin d'expertise sur certains points très, très particuliers. Avec des expertises, ça veut dire aussi qu'il y aura des employés qui seront sur plusieurs exploitations. On va avoir affaire à l'emploi partagé, des groupements d'employeurs qui seront soit des groupements d'employeurs locaux, soit départementaux, soit on a la chance d'avoir sur notre territoire un groupement d'employeurs d'insertion et de qualification. Oui, un GEC. Donc, un GEC, je veux dire, c'est aussi une chance pour trouver des salariés, les monter en compétences, ou trouver des gens qui sont sortis du système de l'emploi et de leur faire revenir vers l'emploi. L'agriculture a besoin vraiment de renouveler sa population. La moyenne d'âge des exploitants, c'est de 55 ans. Mais la moyenne d'âge des salariés est aussi de 55 ans. Elle est aussi, d'accord. On va en parler, on va revenir hein, sur cette notion d'emploi, de salarié. Avant, je voulais qu'on fasse un petit point avec Laurent pour voir si effectivement cette relève hein, qu'il faut former, y a vraiment des difficultés à les trouver. Mais avant, un petit spot sur nos amis de Limoges Métropole. Voilà, vous avez à l'écran Laurent qui est à gauche facilement, hein, c'est marqué, et puis Anne-Hélène qui est à droite. Comment ça va Laurent ? Ça va très bien. On va se tutoyer, voilà. Qu'est-ce que tu penses de ce que dit le président ? Il dit, il faut vraiment qu'on pense au renouvellement, notamment des salariés. Toi, t'es là pour ça, hein ? T'es là pour former les futurs professionnels ou même peut-être ceux qui sont en cours d'emploi, tu vas nous le dire, sans aller jusqu'au bout, puisqu'on va avoir un grand moment pour présenter les différentes filières. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui, je vais employer un mot qui n'est pas très joli, mais de remplir les formations? Alors, pour répondre à la première question, Bruno, de ce que je pense de ce qu'a dit le président, on confirme l'analyse, à savoir qu'il y a des besoins d'emploi, aussi bien en exploitant qu'en salarié. Et ce qui en est la preuve, c'est que nos apprenants s'insèrent très bien. Hein, une fois qu'ils ont été formés, on a des bons taux d'insertion dans les métiers agricoles ou du paysage au sens large, ce qui prouve bien qu'il y a des véritables besoins d'emploi qui sont d'ailleurs en croissance.
Aujourd'hui, oui, il faudrait être malhonnête pour dire qu'il n'y a pas de difficulté à remplir, pour reprendre tes termes, les formations, parce que les métiers agricoles sont certainement peu connus et véhiculent parfois une image qui est négative et qui n'est pas la vraie image. Et les gens qui goûtent les métiers agricoles à travers des formations ou à travers des premières expériences professionnelles, souvent ils y restent parce qu'ils se rendent compte que ce n'est pas ce qu'ils avaient imaginé. Et donc notre travail, c'est de leur donner envie d'y aller, de découvrir ce que c'est vraiment que les métiers agricoles et pas forcément ce qu'on imagine, pour derrière pérenniser des personnes dans l'emploi. Alors, en sachant que là aussi, ce qui est intéressant et ce qu'il faut dire, c'est que d'une part, il y a une variété énorme de métiers dans le secteur de l'agriculture. On l'a dit, il y a les métiers que, si on ferme les yeux, on visualise tout de suite, l'élevage, la culture, etc. Mais il y a aussi tous les métiers des espaces verts. Tu vas nous dire, est-ce que, par exemple, aujourd'hui, si on englobe l'entretien ou l'aménagement des espaces verts, est-ce que c'est plus facile de trouver du monde que dans le secteur agricole? Et puis, le deuxième volet, c'est que des professionnels, il y en a besoin à tous les niveaux. Donc, je dirais, il y en a pour tout le monde aujourd'hui. Alors, il y a deux secteurs professionnels, ouais, effectivement, à distinguer. Ce que nous, on appelle la filière paysage, les espaces verts, qui sont un peu plus attractifs, même s'il y a encore des besoins en emploi non pourvus aujourd'hui, mais ils sont un peu plus attractifs que les métiers dits de l'agriculture à proprement parler. Ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a une grande diversité de métiers, de niveaux de qualification, de niveaux de responsabilité. Chaque exploitation presque ou chaque entreprise va proposer un métier sur mesure pour le salarié, parce que les systèmes sont différents, parce que la nature des activités, l'organisation va être différente. Donc il y a une grande diversité des métiers, une grande diversité des activités pour les gens qui vont aller vers ces métiers-là. Et du coup, il y a la possibilité pour chacun de trouver finalement l'entreprise ou l'environnement qui lui convient. Alors, quand on parle formation, il y a toujours deux niveaux de formation. La formation, on rentre dans une formation pour apprendre un métier parce qu'on ne le connaît pas. Et puis, il y a la formation en cours d'emploi. Le secteur de l'agriculture est un secteur qui se forme en cours d'emploi ou est-ce que ce n'est pas dans les mœurs? Si les gens se forment, en particulier les exploitants, les exploitants se forment des formations réglementaires. Donc les formations réglementaires, c'est quoi les formations réglementaires? La plus connue, c'est le Certiphyto pour avoir le droit d'utiliser certains produits. D'accord. C'est les formations à la sécurité aussi. D'accord. Donc oui, il y a une culture quand même de la formation qui est peut-être pas encore suffisante, mais les personnes se forment. Mais il y a des possibilités. Il y a plein de possibilités. Et tiens, je vais juste revenir deux secondes sur Bruno parce que, et vous ne l'avez pas vu tout à l'heure, mais il fait comme ça. Alors, soit ça lui démange, tu vois, dans le cou, soit il dit les agriculteurs, ils ne se forment pas. Si, les agriculteurs se forment. Mais je pensais plutôt à la formation des salariés de l'agriculture. Ouais. Je crois qu'on pêche, nous les agriculteurs, par le manque de formation de nos salariés. Alors, c'est vrai qu'en polyculture élevage, et encore jusqu'à maintenant, quand vous avez un salarié qui est partagé à plusieurs agriculteurs, c'est difficile de lui trouver un laps de temps d'une semaine ou un jour, ou pour dire ce jour-là, il est parti, personne n'a... Je pense que c'est un investissement important pour les agriculteurs de former ses salariés, parce que c'est des montées en compétences, et c'est... Franchement, un salarié, c'est un investissement pour les exploitants. Et donc, c'est vrai dans tous les secteurs. C'est vrai dans tous les secteurs. C'est vrai dans tous les secteurs. Quand vous les voyez, que vous leur dites, envoie tes gars là, un peu se former, ils disent quoi, les agriculteurs? Ils disent Mais je sais pas, je peux pas le remplacer, j'ai pas le temps. Voilà. Ben ça, c'est vrai dans tout, dans tous les métiers, ils disent ça. Mais c'est vrai, particulièrement en agriculture, où ils disent je peux pas le remplacer. Et après, je veux dire, la problématique, c'est que une fois, alors la problématique et l'avantage. C'est que le salarié qui n'a jamais été en formation n'a pas envie d'y aller. Ouais. L'avantage, c'est que s'il y va, il voudrait y retourner. Ouais. C'est vrai. Donc. Alors, là, je ne sais pas qui regarde. Je vois bien qu'il y a Olivier qui est là. N'hésitez pas. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui s'étaient inscrits sur LinkedIn notamment. N'hésitez pas, si vous voulez témoigner sur la formation, si vous voulez poser des questions. Je sais qu'il y a des gens d'ANEFA, d'autres départements, s'ils ne sont pas devant le barbecue ici, aussi frais que chez nous. Écoutez, vous pouvez poser les questions ou faire part de vos témoignages. Et là aussi, vous avez le droit de
pas être d'accord, par exemple, avec ce que dit Bruno ou quoi. Bruno, on va continuer tranquillement. L'ANEFA, qu'est-ce que c'est ? Ah, l'ANEFA. Déjà, ça veut dire quoi, ANEFA ? Association nationale emploi formation agricole. D'accord. Donc là, on n'est pas... C'est... Alors, regardez bien. attendez, je vais vous montrer parce que vous savez qu'il faut le voir pour le croire. C'est-à-dire, c'est le président de l'ANEFA, regardez bien, et il se tourne vers... Il vérifie. Anne-Hélène, pour voir si c'est pas loupé quand même. Je le dis à tous les gens qui l'ont élu, il sait à peu près où il est. Hein? Oui. Effectivement, je sais à peu non, près où non, je suis. Bien sûr, on est là pour. Mais c'est vrai qu'on utilise tellement ANEFA et puis pas le reste. Non, hein, non, mais... On décompose pas. Donc c'est important parce que ça n'est pas la chambre d'agriculture. D'ailleurs, on va pas cacher aux gens. Au départ, j'avais prévu de faire une émission, quand j'ai contacté Anne-Hélène la première fois, c'était parce que je devais faire venir le président régional de la Chambre d'agriculture. Et puis, ça n'a pas été possible. On le salue si jamais il voit cette vidéo. Mais bon, voilà. Mais je voulais quand même qu'on fasse de l'agriculture. Donc là, on est bien autour de l'emploi et de la formation. Hein. Oui. C'est important. Donc, à quoi sert l'ANEFA ? Est-ce qu'il y en a dans chaque département ou sur chaque territoire ? Alors, je vais quand même aller jusqu'au bout, c'est-à-dire expliquer ce qu'est l'ANEFA. Oui. Donc, c'est une association paritaire faite par les syndicats patronaux et salariés d'accord. de la profession agricole. Oui. Donc, tout le monde est regroupé de façon paritaire. Et c'est une décision qui avait été prise, enfin une décision. Ils ont voulu mettre en place des structures pour promouvoir l'emploi et la formation des salariés en agriculture. Dans les années 95-97. Et en Limousin, nous, on a décidé, alors c'en est fait dans des départements, oui. et en Limousin, dès l'origine, on a dit, on a une région qui, en 99, qui n'est pas si grande que ça, qui n'a pas tant de salariés que ça. Et avec des réalités qui sont avec un peu similaires quand même, voilà, sur les trois départements. Des productions à peu près équivalentes. Ouais, ouais. Donc, on va en faire une régionale, ce qui nous a été bien utile après pour mener des projets. Bien sûr. Et en 99, on a créé l'AREFA, donc R pour oui. région, Limousin, avec le premier président qui était Joël Sursac, si ma mémoire est bonne. Et alors, c'est quoi les missions premières de l'ANEFA ? L'ANEFA, c'est la je me répète, c'est la promotion des métiers de l'agriculture, donc tous les métiers, production et UNEP. C'est-à-dire paysage, et la promotion des formations des salariés d'exploitants agricoles. D'accord. Si je vous dis, alors ça commence à dater maintenant, hein, c'est oui. quelque chose qui est bien en place, je vais être un peu taquin, mais c'est fait exprès et c'est gentiment que je fais, mais depuis tout ce temps où la structure existe pour faire la promotion de ces métiers, on a encore besoin de le faire ? On est encore en déficit d'image, on est encore en déficit de crédibilité. Qu'est-ce qu'on a loupé ? On n'a rien loupé. Enfin, la société évolue en même temps que nous, on travaille. Ouais. Et on se trouve dans une situation où le déficit d'image est vrai pour l'agriculture, mais il est vrai pour un tas de secteurs d'activité en France ou c'est même vrai. En Europe. Oui, oui, oui. Ben et je veux dire, on prend la restauration, le BTP, le bâtiment. Voilà. Donc, on a du mal à avancer sur les représentatives. Pourtant, nous, on regarde le BTP avec envie parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire en termes de promotion des métiers. Et ils ont encore des problèmes. Ouais. Donc, c'est pas parce que on ne fait rien qu'on a des problèmes. C'est parce que la société évolue en même temps que nous. Je disais pas ça. Hein. Je demandais. Hein. Non. Et je peux vous titiller moi aussi. Oui, mais bien sûr. Non. Il n'est pas question de dire que le boulot est pas fait. Mais c'est vrai que on peut se poser la question de façon générale. Oui, oui. On a du mal. Mais moi, je le vois aussi. Et vous devez le voir tous les jours. Bien souvent, quand on parle de certains secteurs d'activité, les gens nous répondent des réalités qu'on entendait il y a 20 ans ou il y a 30 ans. On est d'accord. Et bien souvent, vous avez, quand on parle des jeunes, on a un effet de prisme, c'est-à-dire qu'ils nous parlent de choses qu'ils ne connaissent pas, mais dont ils ont entendu parler par leurs parents. Donc, ils nous donnent les images de leurs parents. Si vous prenez le secteur de l'industrie, par exemple, c'est flagrant. Oui. Il y a très peu d'entreprises aujourd'hui où il y a de la suie ou du cambouis dans une usine, mais les jeunes vous parlent de l'industrie comme ils en ont entendu parler par leurs parents. C'est l'image des clients. C'est ça, hein ? Voilà. Donc, bon. Alors, justement, là, on va passer
Alors, c'est pas que je suis particulièrement un mufle, mais on a fait un déroulé d'émission et Anne-Hélène n'arrivait que maintenant. Elle, je voulais pas. C'est pas qu'on voulait pas qu'elle parle, loin de là. Bien au contraire, elle a plein de choses à dire. Anne-Hélène, on va Anne-Hélène parler. Donc, vous êtes la directrice de la NEFA. Ça fait combien de temps? Quelques années. C'est-à-dire quelques je sais années. Plus trop. Je suis arrivée, je crois, en 2007 à la NEFA Limousin. D'accord. Et puis, suite à des évolutions au sein de la structure, depuis quelques années déjà, 5-6 ans, je suis devenue directrice de l'association. Alors, je vais faire mon bof, bien sûr, mais ça ne surprendra pas les gens qui me connaissent. Mais une femme à la tête de la NEFA, d'où ça vous vient? Vous avez une culture particulière, une appétence particulière pour l'agriculture ou... Pas particulièrement, comme beaucoup de personnes ici, dans ma famille, on était effectivement aussi agriculteurs. Mes parents étaient plutôt dans l'enseignement d'ailleurs. Ah, vous leur avez échappé, c'est déjà pas mal. Mais effectivement, j'avais aussi des grands-parents agriculteurs, donc une connaissance du secteur, même si c'était une connaissance, j'ai quand même une image un petit peu vieillissante finalement, avec une technique un petit peu vieillissante. Mais voilà, avec quand même une attache familiale. Et puis après, c'est aussi une histoire de mission, une mission au sein de la NEFA, qui sont beaucoup en lien avec la communication. Oui, on est plutôt sur du développement de projet. Exactement. On n'est pas sur le tracteur toute la journée. Vous ne vous déplacez pas en tracteur. Parce que il y a des secteurs d'activité où on a une voiture de fonction. Là, vous n'avez pas un tracteur de fonction. Non, effectivement. Pas encore. On ne sait jamais, mais pas encore. On est d'accord. Mais il n'empêche qu'on va aussi. Enfin, je vais aussi sur les exploitations. Bien sûr. Je vais, bien sûr. Voilà. Le secteur agricole, il fait la différence entre les hommes et les femmes ou pas du tout? C'est une question qu'il ne faut même pas se poser. Alors, pour moi, c'est une question qu'il ne faut pas se poser. D'accord. Voilà, après, effectivement, il y a des hommes, partout, il y a des femmes. La répartition, on n'est peut-être pas à 50-50, mais je crois que c'est une question qu'il ne faut pas plus se poser aujourd'hui. D'accord. Alors vous avez une tâche bien particulière. C'est vous le fer de lance de ces fameuses missions de communication, de promotion d'emploi, de promotion de la formation. Donc, un gros travail. Alors, je voulais le dire aussi pour les gens qui regardent. Là, vous avez des visuels qui s'affichent. Vous ne les voyez pas. Et vous avez un petit QR code dont on va parler dans la question d'après. Je me suis fait tirer les oreilles avant, bien sûr. Vous comprenez, je fais un peu les choses en désordre. Mais elle va nous expliquer à quoi ça sert. Mais surtout, si vous avez l'occasion, vous pouvez scanner le QR code. Donc, on l'a compris. Le boulot premier, c'est la communication. La communication, déjà, en direction de qui? Donc, vous l'avez dit, effectivement, c'est la communication. Alors, on communique envers plusieurs publics. On peut communiquer envers le grand public. On essaye de créer des visuels. Alors, on mutualise nos visuels au niveau national et on peut les adapter localement à nos productions, éventuellement, ou à notre territoire. On développe aussi des outils. On a fait récemment des portraits de personnes qui travaillent dans le secteur agricole. On avait une petite vidéo. Mais on a failli, elle nous a donné une vidéo, mais elle ne marchait pas. Souci technique. Voilà, ça arrive. Ouais. Voilà, pour parler des métiers et pour essayer de capter un petit peu le public à travers ces courtes vidéos, en fait. Voilà. Donc, auprès du grand public, on travaille aussi, on essaye de communiquer auprès des jeunes. Les jeunes en voie d'orientation. Donc là, on va plutôt essayer de les capter dans les collèges. On va essayer de les... De leur présenter simplement dans un premier temps les métiers, si on sent un intérêt et puis aussi de l'enseignant, on peut les amener sur une exploitation, visiter une exploitation agricole, leur proposer des jeux aussi sur les exploitations pour essayer de les attirer davantage, enfin de faire quelque chose de façon un petit peu plus interactive. Voilà, donc les jeunes en voie d'orientation, ça peut être aussi des personnes en voie de réorientation professionnelle. C'est vrai qu'on en a de plus en plus aussi. Enfin, je pense que Laurent en parlera, mais la formation, on a aussi des personnes qui ont eu une première carrière dans un autre secteur d'activité et qui viennent en cours de route. C'est intéressant parce que c'est des gens en plus qui ont le code, ceux qui ont les codes de l'emploi, ceux qui sont en réorientation, qui arrivent à 35, 40, 45 ans, il y a déjà un acquis. Voilà, déjà un acquis. Et pour nous, c'est important aussi de communiquer auprès de ce public qui est en voie de réorientation, qui se cherche un petit peu, qui ne sait pas encore s'il va aller vers de l'agriculture ou vers d'autres métiers. Donc, c'est important aussi de leur présenter les métiers de l'agriculture.
Voilà, donc tous ces publics, jeunes, grand public, on essaye aussi de travailler avec les prescripteurs aussi, ouais. Parce que c'est pas toujours évident, c'est pas... Service public de l'emploi, émission locale, les CAP emploi, les Pôle emploi, etc. Ouais. On essaye aussi de les sensibiliser au métier parce que c'est peut-être pas forcément le secteur qui est après, le plus problème mis en avant. C'est toujours le même, voilà. C'est le problème du service public de l'emploi. Alors, je me permets de le dire, tant pis, ils me fâcheront, mais on leur demande tellement de sensibiliser sur tout qu'au bout d'un moment, on ne peut pas attendre qu'ils soient spécialistes. Alors effectivement, soit ça se passe en étroite collaboration avec les uns et les autres, et puis on arrive à mettre des choses en place. Mais un conseiller Pôle emploi, et Dieu sait que j'en connais, et Dieu sait que c'est pas simple ce qu'ils font, ou même les conseillers mission locale, etc. Ils ne peuvent pas tout savoir, quoi. C'est pas possible. Donc ils peuvent sensibiliser, mais effectivement. Alors moi, j'avais une question. Dans tout ce que vous avez dit, vous n'avez pas parlé justement des professionnels de l'agriculture. Quel regard ils ont sur cette nécessité de communiquer? Est-ce qu'ils trouvent ça normal ou est-ce qu'ils sont plutôt taiseux là dans leur exploitation? Il y a quand même faut pas. Ils sont comment? Ils sont partie prenante ou pas? J'ai envie de dire ça dépend. Vous allez faire comme Bruno. Vous me dites voilà, il y a les bons, les moins bons, les machins, les communicants. Ça dépend. Il y en a qui sont plus sensibilisés à la communication et d'autres qui vont être peut-être plus techniques et plus sur les, un petit peu plus fermés sur l'exploitation et qui vont peut-être moins voir la nécessité de communiquer à l'extérieur vers les métiers. Est-ce que l'agriculture est un secteur où on fait beaucoup d'alternance, d'apprentissage par exemple? Alors, là je pense qu'il faut peut-être se tourner vers Laurent qui aura peut-être plus... Ouais. Mais il va nous le dire, mais vous, est-ce que vous le constatez ou pas? En tout cas ce qu'on constate c'est que on a beaucoup de chefs d'exploitation qui ont recours, qui font appel et qui forment des jeunes qui ont c'est souvent la famille ou c'est des jeunes qui arrivent de... Ça fait partie un peu de ces métiers. Cette notion de transmission existe vraiment. Ça fait un peu partie de ces métiers, on en parlait un peu tout à l'heure, mais sur par exemple le BTP ou les choses comme ça, ça existe encore. C'est le père faisait ça, le grand-père faisait ça. Et voilà. Oui. Est-ce que c'est vrai dans l'agriculture ça? Est-ce que vous le voyez? Il y a encore une notion de transmission, effectivement. Une notion de transmission. Alors on a Olivier. Heureusement qu'il y a Olivier, je vais croire qu'il n'y a que Olivier qui regarde, Olivier Doucet, je ne sais pas si vous le connaissez. Salarié en agriculture, c'est tout de même beaucoup de recherche d'opérationnel, assez peu d'organisationnel ou de structurant sur des projets et des trajectoires plus entrepreneuriales. Oui, alors on va en parler, effectivement, beaucoup de... C'est ce que disait le président tout à l'heure, c'est vrai que quand on envisage l'agriculture, on est plus sur une logique d'installation ou de reprise d'exploitation, qu'une logique de salariat comme dans d'autres métiers. Mais... C'est vrai aussi. Après, le salariat, ça peut aussi être un tremplin. C'est un tremplin. Avant l'installation. Moi, j'avais une question. Oui, allez-y. Salarié, on peut très bien aussi faire des carrières de salarié agricole. Il n'y a pas bien sûr. Mais c'est vrai que ce n'est pas très connu, ça. Non, effectivement. Moi, j'arrive d'un milieu assez agricole, voire viticole. Dans la viticulture, dans les pays où il y a des vignes, on le sait. Il y a les propriétaires du château et il y a les salariés agricoles qui sont autour. On le sait. Ça. Dans l'agriculture, on a moins cette vision-là. En ville, là, on imagine moins qu'il y a des gens qui se lèvent tous les matins pour aller sur une exploitation agricole comme on va au bureau ou quoi que ce soit. C'est vrai que là, il reste des choses à faire. Quand vous rencontrez les jeunes, qu'est-ce qu'ils vous disent? Quelles sont l'image qu'ils ont de l'agriculture? Ben, souvent, les jeunes, c'est ce qu'on disait... À Bruno, avec Bruno cet après-midi, on a des jeunes aujourd'hui qui ne savent pas à quoi sert l'agriculture. Le sens. On a des jeunes, effectivement, Comment c'est possible? Ouais. Comment on a pu arriver là? Vous n'avez pas fait votre boulot, hein. C'est pas possible. Pas possible. Alors, attention, c'est pas une majorité non plus. Mais je plaisante, bien sûr. On a aussi des jeunes qui ne savent pas à quoi sert l'agriculture. Même chez nous, même sur des territoires ruraux comme les nôtres. C'est quand même inquiétant. Moi, je trouve que c'est inquiétant de ne pas savoir qu'on se nourrit au travers de ça. Je ne sais pas, il y a une histoire. Ben là, c'est pareil. Vous savez, la vie est un balancier. Puis bon, s'ils ne savent pas, vous les envoyez chez Laurent. Et Laurent, il sait comment ça se passe. Allez, on va continuer tranquille. D'abord, un deuxième petit spot. J'en profite pour saluer Jean-François Tixier qui s'était inscrit à cette émission, qui est le président de la CCI 23, et Philippe Daly, qui regarde régulièrement. Je ne sais pas s'ils sont là, mais en tout cas, c'est parti.
Alors, on le disait tout à l'heure, Anne-Hélène, vous travaillez pas mal avec la vidéo, hein, on le voit. Bon, il y en a une qu'on a loupée, on n'a pas pu, elle a l'air très bien, mais on n'a pas pu la diffuser. Et puis c'est la période des pommes, d'ailleurs, vous allez nous dire, on est complètement dedans là ou... On est complètement dedans. On est complètement dedans. Donc, on va voir le spot et puis on en discute après, d'accord? En septembre, en Limousin, c'est la cueillette des pommes. Nous recherchons 3000 cueilleurs en Creuse, Corrèze et Haute-Vienne. Pas besoin de diplôme, il suffit d'être motivé, résistant, d'aimer travailler en équipe et en extérieur. La cueillette dure 3 semaines, réparties sur l'ensemble des vergers du Limousin. Pour se rendre sur les lieux de cueillette, transport et covoiturage sont à votre disposition. Pour vous inscrire à la cueillette, rendez-vous sur anefa.org/limousin. Ouais, il est beau, hein. Les pommes sont appétissantes, il est beau. Évidemment. La question, c'est est-ce que vous avez trouvé tout le monde? On a presque trouvé tout le monde, effectivement. Alors, on a différents vergers, on a des petits vergers, des petites structures. On a besoin d'une équipe de 25-30 personnes, là, effectivement. Les équipes sont complètes. En revanche, on a de gros vergers aussi, que ce soit en Corrèze ou en Haute-Vienne, pour lesquels les équipes ne sont pas tout à fait complètes. Donc, il reste encore des places pour ces vergers. Jusqu'à quand ça va continuer, là, les pommes, à peu près À peu près jusqu'au 30 septembre. Maintenant, sur les gros vergers dont je vous parlais, on peut continuer à cueillir jusqu'à quasiment début novembre. D'accord. La vidéo le dit, pas besoin d'avoir de qualification particulière. Suivant là où vous êtes, il peut y avoir un transport d'organisé. Oh. Voilà, il faut savoir que dans le cadre de cette campagne, l'ANEFA Limousin, avec des financements bien sûr et notamment des conseils départementaux, met en place des bus pour les cueilleurs de pommes au départ de Limoges, Brive et Tulle et à destination des vergers. Voilà, et puis il faut le dire à un moment donné, je veux dire, sans faire de jugement particulier, c'est toujours très compliqué de voir qu'on manque de main-d'œuvre. Pour un boulot qui est accessible, hein, c'est honnêtement accessible, et puis ça peut être sympa de faire ça collectivement quand on voit la mobilisation à la fois des entreprises, à la fois des pouvoirs publics, comme le disait Anne-Hélène, et puis que de voir que dans le même temps, il y a des gens qui disent qu'ils ne trouvent pas de boulot. Bon, c'est dit, attention, hein, je ne suis pas en train de dire tous les gens qui n'ont pas de boulot doivent aller ramasser les pommes, ce n'est pas ça. Je dis simplement que dans l'esprit collectif, attention, parce qu'on pourrait vite faire des raccourcis. Et bon, voilà, aller ramasser des pommes et puis se faire un peu d'argent. Exactement, hein, c'est le but faut, aussi. À un moment donné, et, voilà. Et puis quoi, cette année, il fait beau. Donc, il fait beau en plus. Pour l'instant, c'est plus non, non, il y a de quoi faire. Donc, si jamais vous connaissez des gens qui recherchent, des étudiants qui n'ont pas encore commencé, bon, voilà. Alors, par rapport justement à cette histoire d'emploi, on y arrive à Anne-Hélène, ce fameux QR code là que tout le monde voit. Job au prêt. Ah, je ne sais pas qui a trouvé ce nom, mais eh bien, Job au prêt. Alors, fabuleux. Figurez-vous que Job Auprès a été trouvé par le nom. Alors, à la base, c'était nous nous sommes réunis avec nos collègues d'ANEFA Nouvelle-Aquitaine. Ouais. On avait suggéré plusieurs noms. Et c'est un des administrateurs de l'ANEFA Limousin, le plus âgé d'ailleurs, qui a validé Job Auprès. Et on l'a tous dit. Eh bien oui, vous faites bien de le dire, bien sûr. Les autres, ils sont moyens. Voilà. Ils sont moyennasses, alors qu'ici, on est bon. Exactement. C'est notre doyen. Qui a validé le nom, donc on l'a suivi. Alors c'est quoi ce QR code? Job Auprès, c'est une application mobile qu'on télécharge donc sur son téléphone et qui permet donc aux saisonniers de trouver un emploi en fonction de leur disponibilité, de leur mobilité, de leurs compétences, donc un emploi sur le territoire Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est vraiment développé par tous nos collègues, toutes nos ANEFA de Nouvelle-Aquitaine. Ça permet donc aux saisonniers qui ont téléchargé l'application, donc effectivement il faut l'installer sur son téléphone, sélectionner les critères, et ensuite ça permet d'avoir les coordonnées directement des employeurs. Et donc, de les contacter, il n'y a plus qu'à les contacter et à candidater. Quand on parle de saisonniers, on parle de là par exemple comme pour les pommes, ou alors on parle aussi du service de remplacement? C'est pas la même chose. D'accord. Le saisonnier, c'est vraiment une tâche répétitive, annuelle. D'accord. Avec des contrats très spécifiques, relativement courts. Donc les vignes, le ramassage des fruits, des légumes. Ça peut être de la taille aussi, effectivement des travaux spécifiques en fonction des productions. D'accord. Le service de remplacement, là, je laisserai peut-être Bruno en parler plus tôt parce qu'il était. On reviendra, on va bien lui demander encore quelques trucs. Parce que je le vois, il s'agite. Là, les gens, il s'agite sur son fauteuil, bien sûr.
Et ça marche bien cette application ? Et ça marche très bien. Hein. Ouais. Nous l'avons développée avec nos collègues donc de Nouvelle-Aquitaine pendant le premier confinement, je crois. Hein, ouais. Enfin, à peu près, ou le deuxième, je ne sais plus trop, ouais. Mais je sais plus trop où on en était, mais voilà. Là, on a regardé cet après-midi, on a environ 4000 inscrits et près de 8000 postes qui sont proposés donc sur toute la Nouvelle-Aquitaine. C'est beau. Mais voyez, on a commencé en même temps, j'ai commencé à faire cette émission en même temps, mais je suis loin des 4000 ou des 8000 qui regardent. Mais là, par contre, il y a Frédéric Martins qui dit que c'est une superbe initiative. Bravo. Vous voyez, ça fait 4000. Plus 1. Parce que lui va... Hein, Frédéric, il faut scanner l'application. Puis vous remarquerez la réalisation qui permet avec le logo. Qu'est-ce que vous voulez, c'est formidable. Je sais pas. Vraiment, en Limousin, on a vraiment de bonnes idées. Hein. Bon, je ne sais pas. Anne. Après, je c'est vraiment le collectif Nouvelle-Aquitaine. Hein, oui, sur l'application, oui. C'est pas alors que on le redit. Loin de là. Vous voyez, elle commence à avoir peur. Alors, Anne-Hélène dit que c'est une initiative de Nouvelle-Aquitaine. Je me permettrai de rappeler que sans l'éclair de génie du doyen Limousin, nous n'aurions pas le nom. Voilà, okay. On n'aurait pas le nom. Donc, c'est comme ça. On n'y peut rien, on s'excuse. C'est surtout Anne-Hélène qui s'excuse d'insister là-dessus. Anne-Hélène, le rôle de l'ANEFA, c'est un rôle central au milieu d'un partenariat, d'un maillage. Vous le disiez tout à l'heure, on va en parler à nouveau. C'est très important. C'est pas vous qui prenez votre bâton de pèlerin pour aller voir chaque personne. Il faut faire, refaire, refaire, reporter la bonne parole à des gens, à des structures qui, elles, ont une capacité de mobiliser. Complètement. Alors, je ne sais pas si on a vraiment le rôle central, mais en tout cas, on essaye de... Par rapport aux emplois agricoles, bien sûr. Agricole. Ouais. En tout cas, on essaye de mener nos actions toujours en partenariat avec, alors que ce soit les structures agricoles, on a parlé des groupements d'employeurs, du groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification agricole, donc Limousin-Périgord, que ce soit les centres de formation, les lycées agricoles, les CFPPA, CFA, ou maisons familiales et rurales, ou encore les acteurs de l'emploi, hein, les missions locales, Pôle emploi, etc. On travaille également avec l'Office français de l'intégration et de l'immigration. On salue pour la directrice exactement. Qui est passée là, elle est passée, il bien a sûr. Longtemps, ouais. Ouais. Voilà, donc pour nous c'est très important, les partenariats sont vraiment quelque chose de à la limite c'est primordial hein, bien finalement, sûr, pour bien arriver sûr. À mener nos actions. Alors Mounia me dit, vous pouvez répéter le nom, mais quel nom Mounia? Eh oui, ouais. Mounia, c'est Job Auprès. Je pense que c'est ça. Job Auprès, c'est le QR code que vous voyez à l'écran, Mounia. Si ce n'est pas ça, vous me le dites, je vais avancer là. On va continuer l'émission parce qu'on va passer à Laurent. Comment ça va, Laurent? Ça va toujours. Toujours en forme. Il est sage, hein, je peux vous dire, il écoute. Voire... Alors, il regarde un peu du coin de l'œil Bruno qui a du mal à tenir sur son fauteuil, mais bon. C'est comme ça. Il est agité. Il est agité. On va parler avant d'aller de l'application. Alors, Mounia, l'application, c'est Job Auprès. C'est affiché à l'écran. C'est le rond rose. Voilà. C'est le rond rose qui est affiché à l'écran avec le QR code à côté. Sortez tout de suite votre téléphone et mettez-le. J'en profite pour vous le dire qu'à un moment donné, vous allez voir aussi un autre QR code qui s'affiche. C'est complémentaire. C'est un site qui s'appelle emploi-nouvelle-aquitaine.fr qui est aussi une création régionale et sur laquelle vous pouvez trouver des offres d'emploi, des CV. Si vous êtes employeur, vous pouvez déposer vos offres d'emploi. Mais voilà, vous essayez et puis vous voyez... Laurent, on va parler de l'offre de formation, mais tout d'abord, on va lancer la petite vidéo que tu nous as fait passer. Voici Damien, 17 ans. Il rêve de devenir agriculteur. Pour se former à ce métier, Damien suit actuellement une formation BAC-PRO, conduite et gestion d'entreprise agricole par apprentissage. Après ma troisième agricole au lycée de Magnac-Laval, j'ai choisi l'apprentissage car je voulais apprendre le métier sur le terrain. Cela me permet d'avoir une paye. Je suis en formation en entreprise environ 2 semaines par mois et le reste au CFA Magnac-Laval. Cela me demande beaucoup de concentration en entreprise et au CFA car je passe le même diplôme que ceux qui sont toujours à l'école. L'apprentissage me plaît car je peux partager mon expérience avec les apprentis et les formateurs.
Je suis Stéphane Lavalette, membre du GAEC Lavalette à Saint-Sornin-le-Lac et maître d'apprentissage de Damien. Damien attaque sa troisième année sur la ferme et devient de plus en plus autonome sur toutes les activités de la ferme. Pour Damien, c'est une chance parce que c'est là qu'il voit ce qui va, ce qui ne va pas. C'est, je pense, la meilleure école qui puisse exister. Cependant, je voudrais qu'il continue ses études en apprentissage sur une autre exploitation pour voir d'autres façons de faire. Je suis Christophe Gentil, je suis formateur au CFA de la Haute-Vienne, je suis formateur en matière technique et également référent de Damien. Ce qui signifie que je vais me rendre sur l'exploitation de son maître d'apprentissage pour faire le point avec ce dernier sur la progression de Damien, tant sur la partie vue en CFA que sur la partie professionnelle vue en entreprise. Damien fait donc partie d'une classe de 15 apprentis Bac Pro CGEA en troisième année. Travailler avec des petits effectifs nous permet de très bien connaître nos jeunes et d'être à proximité de ces derniers, ce qui permet de les accompagner très favorablement tout au long de leur formation pour la préparation de leur examen. Si toi aussi, comme Damien, tu t'intéresses à la production agricole, connecte-toi sur le site internet du Centre départemental de formation des apprentis agricoles de la Haute-Vienne. Voilà, alors la première remarque, c'est que la vidéo, elle est super, vous ne l'avez pas vue. La deuxième remarque, c'est qu'il y a des structures qui font des vidéos qui marchent, et puis il y a les autres. Hein? Alors, je ne peux pas la louper. Regardez comment il bisque. Il est content parce que sa vidéo marche, bien sûr. Laurent, c'est un exemple. Hein, tu connais tout le monde, hein, j'imagine, sur cette vidéo. C'est un exemple. L'offre, on le disait au début, l'offre de formation au CFPPA d'Évasé, mais tu vas me reprendre. Moi, j'ai en tête le CFPPA d'Évasé parce que je suis un vieux. C'est bien plus large que ça aujourd'hui. Elle est très variée. Et on le disait tout à l'heure, elle est accessible à tous les niveaux de formation initiale. Alors, elle est très variée, effectivement. Elle est accessible à tous les publics, d'abord, je dirais, que ce soit des jeunes scolaires, des jeunes apprentis, comme on a pu le voir sur la vidéo, donc un jeune qui a choisi de se former tout en étant salarié dans une entreprise, à travers l'exemple que vous avez pu voir, et puis aussi des adultes qui voudraient se reconvertir ou s'orienter vers les métiers agricoles. Donc, on s'adresse à tout public. Et après, pour tous ces publics, on propose une grande diversité de formations selon les niveaux de qualification qui sont visés, selon si on vise des métiers plus de salariat ou des métiers plus en responsabilité de chef d'équipe ou chef d'entreprise. Très bien. Comment est organisé l'organisme? Parce que là, on parle d'autres sites de formation. Alors, notre établissement, hein, c'est un établissement public agricole, donc c'est un nom un peu barbare, on ne plaît pas. Donc on a plusieurs sites, on a le site d'Évasé à Limoges, on a le site de Magnac-Laval et de Bellac sur le nord de la Haute-Vienne. Et après sur le territoire de la Haute-Vienne, il y a aussi un autre établissement à Saint-Thierry-la-Perche au sud et une maison familiale aussi. Donc l'enseignement agricole, l'offre de formation, elle est vraiment proposée sur l'ensemble du territoire de la Haute-Vienne. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est d'avoir... d'être au plus près des demandes ou c'est que chaque territoire a ses spécificités? Les deux, j'ai envie de dire. Il y a des spécificités qui sont liées au territoire et aussi une notion de proximité, en particulier pour les personnes qui sont peu mobiles. Ça permet d'avoir une offre de proximité. Alors, normalement, si j'avais bien travaillé, mais c'est rare hein, d'une émission sur l'autre, je me trompe, j'aurais dû passer le spot de la Chambre des métiers. Alors, je m'excuse auprès du président, je m'excuse auprès de Charlotte, etc. Je ne l'ai pas mis dans l'émission, donc voilà. Hein, donc, vous imaginez, mais en tout cas, je remercie énormément la Chambre des métiers d'être partenaire de cette émission, au moins peut-être jusqu'à aujourd'hui, parce que demain, ils couperont les vivres, hein, c'est possible. Ce n'est pas grave, non, je ne pense pas. Mais voilà, c'est les aléas du montage. Quand on est un homme orchestre, on oublie, et ce n'est pas les seuls, puisque j'ai oublié aussi celui de la CCI 87, que je remercie aussi. Il y a quelque chose dont on n'a pas forcément beaucoup parlé, et je voudrais mettre tout le monde là à l'écran, c'est la valeur... Alors, deux choses. Quand on imagine les métiers de l'agriculture, est-ce qu'on n'imagine pas quelque chose qui est dur, quelque chose qui est difficile? Est-ce que ça, c'est pas ancré dans la tête des gens? Tiens, je vais demander au président... Est-ce qu'on n'imagine pas le travail de la terre avec la fourche avec... Non, enfin, on n'imagine pas ça. Les choses ont énormément évolué. Je parle de ce qu'on imagine. Oui, je parle pas de ce qu'on imagine. Alors les gens imaginent, on est d'accord. Voilà. Les gens imaginent ça alors que ce n'est plus du tout ça. Je veux dire,
les normes sont passées sur l'agriculture comme ils sont passés sur les autres corps d'activité. Ouais. Les charges sont limitées à 25 kg. Mmh. Au-dessus, c'est mécanisé. Donc, on n'est plus sur un métier de force. On est sur un métier d'intelligence. On est sur un métier de technicité, comme beaucoup de métiers. Ouais. Comme des technicités, d'expertise. Mais ce n'est plus un métier de force. Par contre, vous rentrez dans un tracteur, maintenant, ah oui, vous avez des écrans d'ordinateur à dos, à gauche, à droite, et il faut lire un bouquin pendant une demi-heure pour savoir le démarrer. Ouais. Là, on sent que ça ne lui plaît pas trop, ça. Anne-Hélène, vous, quand vous êtes au contact sur des job dating, sur des choses c'est ça que vous voyez dans les yeux des gens, c'est dur. C'est dur dans les yeux des gens. Oui. Effectivement, c'est quand même quelque chose, une notion qui revient quand même assez souvent. Mais aussi par méconnaissance. Hein. C'est vraiment le... Mais oui, bien sûr. Mais une fois de plus, c'est un peu ce qu'on disait à l'heure. Oui. C'est ce qui reste. J'en profite. Pierre, bonjour. Pierre Righini. Hein, je ne sais pas si vous connaissez. Pierre, présentez-vous parce que l'émission est bientôt finie. Laurent, c'est, vous confirmez, c'est pas, les métiers de l'agriculture, c'est plus ces métiers de force, ces métiers... Où on rentre complètement fourbu le soir, même si on a beaucoup travaillé. Hein, c'est des confirme métiers plus de technicité. Oui, je confirme totalement ça. Et c'est aussi des métiers plaisir, hein, parce qu'il y a une diversité. On parlait de répétition tout à l'heure quand on parlait de la cueillette des pommes, mais ça, c'est un exemple de travail saisonnier. Mais le métier de salarié agricole ou d'exploitant agricole, c'est un métier où chaque jour est différent parce que la saison est différente, parce que la météo est différente, parce que on travaille avec le vivant. Et donc, il y a une grande diversité d'activités. C'est impossible de se lasser, je pense, dans les métiers agricoles. Et c'est un métier qui a du sens parce que justement, on agit pour nourrir les gens, on agit pour travailler avec le vivant. Donc, c'est un métier qui est très valorisant. Et effectivement, cette image de pénibilité est aujourd'hui totalement obsolète. Alors, c'est très important aussi, cette histoire de sens. On va y revenir. Moi, je voulais aussi qu'on parle de la technicité parce que, comme le disait le président, aujourd'hui, quand on rentre dans un tracteur, pour le démarrer, il faut lire le bouquin, ça dure une demi-heure. Mais c'est vrai, aujourd'hui, l'outil de formation est vraiment adapté à ces évolutions technologiques, techniques. Alors oui, bien sûr, puisqu'il y a les évolutions technologiques, on parlait des tracteurs tout à l'heure, donc il y a des simulateurs de conduite qui existent dans les établissements agricoles, ce type d'outils. Mais la technicité, c'est aussi la personne hein, qui doit faire preuve de technicité, qui doit faire preuve d'observation pour pouvoir faire les bons choix hein, au niveau des conduites des cultures ou du suivi des animaux. Et ça se travaille bien sûr en formation, aussi bien en centre de formation, aussi bien dans les périodes en milieu professionnel, puisque tous nos apprenants, quel que soit leur statut, on passe beaucoup de temps aussi dans les entreprises pour apprendre aussi sur le terrain ou dans nos ateliers techniques sur nos établissements. On le disait quand, je le disais, quand on imagine l'agriculture, on s'imagine effectivement un métier assez dur, on imagine peut-être aussi à tort l'agriculteur un peu bourru, qui est dans son coin et qui communique pas trop. C'est vrai ça ou c'est pas vrai? Ou les agriculteurs, ben, finalement, ils sont contents d'accueillir de nouvelles personnes. Il y a cette histoire de sens par rapport à ce qu'on amène au collectif. Mais est-ce que... j'ai vécu avec des agriculteurs, donc voilà. Mais il y a aussi cette relation humaine... Elle est très forte cette relation et nous on la voit beaucoup, bon, on le voyait à travers la vidéo tout à l'heure, mais tous nos jeunes qui sont en apprentissage, hein, ils créent une vraie relation de confiance et professionnelle avec leur employeur, nos stagiaires adultes qui vont en stage également, et cette qualité de la relation, elle contribue aussi à donner envie et à aller vers ces métiers-là. Et les métiers agricoles, c'est aussi les métiers de l'humain. Anne, c'est quelque chose sur lequel, Anne-Hélène, c'est quelque chose où vous pouvez appuyer, moi, vous, justement, pour la promotion Effectivement, je rejoins complètement Laurent sur ses propos. Hein. C'est vrai que la communication, enfin, aujourd'hui, on voit que les relations entre les salariés et les employeurs c'est une belle relation, quoi. Après, c'est une relation aussi, j'imagine, qui doit être basée sur la confiance, parce que on n'est pas comme dans un bureau avec le gars ou la femme, hein. D'ailleurs, vous me direz si c'est un métier assez féminin ou pas, ou si c'est rentré dans les mœurs, ça dépend, hein. J'imagine. Il y a les métiers d'élevage, les métiers... Enfin, voilà, ou s'il n'y a pas du tout de différence, là aussi, c'est peut-être une question complètement idiote. Mais c'est un métier où le patron n'a pas toujours l'œil
sur son collaborateur, hein, parce que par principe, il faut aller sur l'exploitation. Donc, il y a nécessité de confiance et de connivence aussi. Oui, complètement. Bah, c'est souvent des postes où on demande de l'autonomie. Hein, demande à ce que les salariés soient effectivement autonomes. Maintenant, ça dépend d'une exploitation à l'autre aussi. Hein. Il y a des exploitants qui préfèrent, justement, qui aiment travailler, qui profitent d'avoir un salarié pour faire des travaux justement à deux, plutôt que de les faire seuls. Ils ont quelquefois c'est aussi l'emploi partagé, des salariés qui sont peut-être là qu'une fois par semaine. Donc l'emploi partagé, on va l'expliquer un peu, c'est quelqu'un qui peut avoir un contrat de travail sur plusieurs exploitations. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que les exploitants vont créer un groupement d'employeurs qui va recruter un salarié qui sera ensuite mis à disposition chez les adhérents du groupement d'employeurs. Mmh. Voilà. Donc après, en fonction des besoins, certains exploitants peuvent en avoir besoin deux fois dans la semaine, d'autres une fois par mois. Le travail du salarié sera réparti en fonction des besoins. Ça participe à la variété, ça participe. Voilà, exactement. Président, les agriculteurs sont contents de voir arriver des gens ou alors ils sont bourrus. Vous n'avez pas l'air bourru. Hein, ou alors, bon, à part quand vous n'arrivez pas à démarrer le tracteur, mais sinon. Oui, mais même ça, j'y arrive finalement. Il y a eu une période où on a vu arriver, je dirais, des gens qui ne pensaient pas comme tout le monde pensait. Ouais. Et ça a un peu gêné, un peu perturbé les agriculteurs en place. Aujourd'hui, c'est un enrichissement pour ceux qui sont là. Et ils s'intègrent très bien en plus dans nos différentes structures qu'on a créées, les CUMA, les groupements d'employeurs, les choses comme ça. Ce qui fait que je pense qu'on est sur du gagnant-gagnant là, sur ce coup-là. C'est clair. On accueille des personnes, qu'ils soient salariés ou agriculteurs, qui viennent de parcours très différents de ce qu'on connaissait traditionnellement dans le Limousin. Et ça nous apporte tous un plus. Je vois un peu... Je m'excuse, hein, j'étais en train de lire en même temps les questions. Et voilà. Mais on a bien compris, et c'est vrai qu'on le dit, ça a l'air évident, mais c'est vrai. Enfin, c'est comme d'autres métiers, si vous vous posez des questions... Allez voir les gens, hein, allez dans les centres de formation, allez voir Laurent, je vous assure qu'il vous organisera une visite, allez voir Anne-Hélène, elle vous mettra en relation. Arrêtons d'avoir des idées préconçues sans y aller. Moi, je dis toujours, allez-y, et au moins vous saurez pourquoi vous dites non. Hein, bah, voilà. J'ai une question, alors, bon, c'est la question, je la pose parce que ça ressemble un petit peu à un coup de gueule, plutôt de l'inquiétude de Pierre. Pierre qui nous dit « Je suis artisan menuisier dans le 86, je viens faire mon curieux, ben, c'est très bien, auprès de nos confrères agriculteurs, pour ma propre opinion, car je suis sceptique sur les prochains trimestres. » Afin d'être franc, la communication est visiblement la même. C'est vrai que la communication est un peu la même, quels que soient les secteurs d'activité, quoique j'apporterai... petit bémol, la communication est visiblement la même, focalisée sur l'apprentissage. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord, on n'a pas tant parlé que ça de l'apprentissage, on en a parlé un peu, mais pas tant que ça. Chose excellente, sous réserve que les TPE, PME tiennent le choc sur les prochains mois, je pense particulièrement à nos boulangers qui sont les premiers sur la sellette. Donc là, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a surtout, je pense, une inquiétude. Et son inquiétude, il n'est pas le seul à l'avoir. Sur les prochains mois, les agriculteurs, comme le reste, vont sans doute être impactés par la crise qui se profile. Président, comment vous le sentez-vous ces prochains mois? Ah, ils seront très difficiles, on est d'accord. La crise va nous impacter, elle nous impacte déjà. La crise économique, hein, la crise énergétique, l'agriculture est vorace en énergie. L'agriculture est très très vorace en énergie, ça rentre dans les carburants, dans le gaz pour chauffer les serres qui produisent les tomates, les fraises ou les légumes, ça rentre dans les engrais qui sont faits à partir de gaz. Bien sûr. Je veux dire, on est très très impacté à chaque fois qu'il y a de la tension sur le pétrole, pour nous, c'est la galère. D'accord. Donc, effectivement, on est impacté, on est déjà très impacté, ça va continuer, malheureusement. On est impacté aussi par les conditions climatiques de cette année, qui vient s'accumuler au reste. Donc, c'est vrai qu'on va avoir une crise très difficile. Bon. En veille, on ne va pas être négatif, on ne va pas être pessimiste. En tout cas, le secteur est en prise avec ce qui se présente. Oui. Mais le plus dur, ça va être le premier trimestre 2023.
le premier trimestre 2023. Bon, Laurent, la formation, ça fonctionne, ça continue de fonctionner. La formation fonctionne, et pour relever tous les enjeux, puisqu'on parle de crise, mais l'agriculture, elle est dans un tournant face à ces enjeux climatiques, économiques, ouais, etc., modèle de société, aspiration aussi des gens à consommer autrement, et elle est dans un tournant, elle a besoin de se réinventer, et pour ça, elle a besoin de forces vives, des gens qui vont vouloir investir le monde agricole, aussi bien en créant des entreprises ou qu'en venant y travailler pour apporter leur contribution à ce beau défi qui attend la société. Il y a des choses à faire. Hein. Anne-Hélène, hein, je vais vous laisser la parole pour finir. Bien sûr, il y a de l'inquiétude et c'est plutôt bien, hein, je dirais, que Pierre, voilà, que Pierre, donc, qui vous dit merci, hein, président, qui vous dit merci pour votre réponse. C'est non, ce qui est intéressant avec Pierre, déjà, c'est qu'il regarde alors qu'il est dans le 86. C'est beau, hein, ça veut dire. Hein. Et puis, c'est normal, on ne peut pas échapper à ces questionnements-là. Et puis, on va vite se rendre compte que, tout à l'heure, vous le disiez, Anne-Hélène, que si les jeunes ne savent pas à quoi sert l'agriculture, compte tenu de l'augmentation des légumes, de la viande et tout le travail, on va vite le savoir. Hein, hein. Comment vous sentez, vous, la période aujourd'hui? Est-ce que vous vous dites, eh bien, c'est ni mieux ni moins bien que dans les autres secteurs, parce que là aussi, il faut le dire, on parle de l'agriculture ce soir, mais beaucoup de secteurs sont impactés par le manque de main-d'œuvre, pour différentes raisons d'ailleurs, hein, voilà, et puis par une représentation qui est peut-être erronée. Est-ce que vous vous dites, eh ben, voilà, on n'avance plus, ou est-ce que vous vous dites, ben, tout simplement, il faut continuer? Il faut continuer, c'est sûr, c'est évident. Effectivement, bon, on arrête tout, effectivement, si on se dit que ça va être dur et que tout va s'arrêter. Donc non, non, au contraire, il faut continuer, il faut y croire et il faut à nous aussi de continuer à imaginer, à développer et à proposer de nouvelles actions pour attirer les publics. Alors on va finir, hein. Ça fait une heure qu'on est là, mais je ne vais pas vous laisser partir comme ça. Vous allez me dire chacun en une phrase pourquoi ça vaut le coup d'aller travailler dans l'agriculture. Allez, Laurent. Moi, si je devais résumer, ça vaut le coup pour donner du sens. Hein. C'est vraiment un métier qui pour a du sens. Pour donner du sens à sa vie. À sa vie et à son engagement professionnel. Président, pourquoi il faut aller travailler dans l'agriculture? Une phrase, président. Parce que je n'ai pas envie de faire autre chose. Parce que vous n'avez pas envie de faire autre chose. Ouais, c'est joliment dit. C'est joliment dit. Anne-Hélène, alors là, vous devez avoir la meilleure phrase. Et vous êtes payé pour dire qu'il faut aller travailler dans l'agriculture. Je ne sais pas si j'ai la meilleure phrase. Ouais, mais en tout cas, ce qui revient beaucoup quand on fait témoigner, parce qu'on fait beaucoup appel aussi aux témoignages, que ce soit d'exploitants ou de salariés, et c'est la passion quand même qui revient la passion. Des plus métiers souvent. De passion. Exactement. Des métiers de passion, des métiers de sens. Donc, pensez-y une fois de plus. Allez vous renseigner. Écoutez, j'espère que cette émission aura un petit peu servi, hein, à vous donner quelques informations supplémentaires. En tout cas, elle aura servi à donner la parole à des gens qu'on ne voit pas forcément tous les jours. Allez sur l'application, allez vous renseigner, allez dans les centres de formation si vous êtes pas loin de Limoges, de Bellac ou de Bénac. Allez voir Laurent et ses équipes. Il a des équipes qui sont extrêmement mobilisées. Allez voir Anne-Hélène, allez voir les agriculteurs, arrêtez-vous, parlez avec eux et puis vous verrez, au moins vous pourrez dire après, je ne veux pas aller dans l'agriculture parce que j'ai constaté et non pas parce qu'on vous a raconté des trucs. Merci Laurent, merci Bruno, merci Anne-Hélène et puis moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, on va parler de quelque chose de complètement différent, quoique on va être sur l'emploi, on va parler emploi et autisme. Donc voilà, je vous invite à nous rejoindre. Ça sera aussi mardi prochain. Et puis, je vous rappelle que l'émission, elle est disponible en replay. Elle se déclenchera automatiquement et vous pourrez aussi aller la voir en permanence sur YouTube. Je remercie la Chambre de commerce et d'industrie de la Creuse, de la Haute-Vienne, la Chambre de métier de la Haute-Vienne et Limoges Métropole, bien évidemment. Allez, c'est parti. Bye bye, vous pouvez aller devant le barbecue, il fait encore bon, c'est parti.